Allô, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez mieux que moi parce que moi j'ai un sapristi de mal de tête depuis ce matin. J'ai l'air de. Je vous le dis, on dirait que mes yeux vont sortir de mon crâne, de ma tête. Mais je vous ai dit que la prochaine vidéo que j'allais mettre sur ma chaîne, c'était le tour de. Oh, c'est ma cafetière, que j'allais vous mettre un tour d'appart. Fait que depuis ce matin, je me disais qu'il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis j'arrête plus de me dire, je vais attendre un petit peu. Puis là, mon mal de tête est un petit peu moins pire. Fait que je me suis dit que j'allais faire ça, comme ça, après je vais pouvoir comme prendre ma douche puis être juste comme une grosse larve pour le reste de la journée. Parce que je travaillais pas aujourd'hui. Fait exprès, je travaille pas, j'ai mal à la tête. Puis c'est ça, fait que là, j'ai ramassé vite vite, là. J'aurais voulu faire un beaucoup plus beau ménage, plus beau, un beaucoup plus beau ménage que ça. Mais c'est ça, je filais pas pour ça du tout. Puis en plus, Nick a décidé de faire du ménage dans ses choses juste avant de partir travailler. Il a comme rempli ma récup, puis tout ça, tu sais. Il m'a laissé plein de cochonneries que j'avais ramassées. Fait que c'est ça, on va faire le tour de l'appart. Soyez indulgents, c'est pas le gros ménage, mais je sais que vous êtes curieux, je sais que vous êtes hyper curieuse de voir, donc je vous l'avais promis, on va faire ça. Fait que je pense que je vais comme vous switcher de bord, puis on va y aller. Dans l'autre sens, puis je suis pas claire, hein, je m'excuse. Ouais, fait je vais vous virer de bord, puis dans le fond, je vais vous traîner dans l'appart comme vraiment, si c'était vous qui avançait, je pense que ça va être ça le plus simple. Donc, je vous vire de bord. Fait que, oh mon Dieu, on dirait qu'en caméra, ça va encore plus de bordel, mais on entre vraiment par la cuisine, ici. J'ai une autre porte en haut, là, je vous montrerai en temps et lieu, mais c'est vraiment. On n'a pas ramassé la terrasse encore à l'extérieur, donc je vais m'abstenir. Mais en fin de semaine, on fait les décos, fait que je vais tout ramasser la terrasse pour pouvoir décorer, je vous montrerai ça en même temps. Donc, c'est ça, on rentre vraiment par la cuisine. À droite, ici, on a un petit mini garde-manger, là. Ici, j'ai le garde-robe d'entrée, là, avec les manteaux, puis les sacs, puis les légumes même. Puis tout de suite à droite, ben c'est la chambre à Charlie. La chambre à Charlie était vraiment pas ramassée. C'est moi qui l'ai ramassée pour que ça fasse un petit peu plus cute. Fait que Charlie, dans le fond, les chambres sont pas finies là, à 100%. Là. C'est vraiment comme, sont installées, c'est vivable, sont bien, mais c'est pas, là, c'est pas final, c'est pas peinturé puis tout, là. Fait que Charlie, dans le fond, elle, je lui avais acheté un couvre-lit comme ça, genre, c'était comme de la fumée. Mais ça fitait pas du tout avec la couette de la housse. La couette. En tout cas, ce qu'on met dedans, là, ça marchait pas, là, puis c'était beaucoup trop petit. En tout cas, c'était l'enfer. Fait que j'y ai racheté une douillette temporaire chez Walmart, juste pour dire qu'elle avait quelque chose. J'ai quand même gardé les draps que j'y avais achetés pour aller avec sa première couverte. Puis ça, c'est ça. Elle est frileuse, Charlie. Fait que elle a une autre couverte de plus. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment temporaire. J'avais acheté des housses aussi de coussins sur Chienne. Fait que ça c'est tout des toutous qui viennent de la ronde. On est allé à la ronde 2 fois cet été. Pinique est vraiment accro toutou. Fait que c'est ça. Ça, c'est toutou à Charlie. Puis vous allez voir ceux qu'Eliott a dans sa chambre. C'est assez terrible. Je crois que Charlie, elle a gagné celui-là. Ou la girafe. Je sais plus. En tout cas, Gigi la girafe. En tout cas, elle en a gagné un. Les autres, c'est Eliott. C'est Nick qui a gagné. Elle a son bureau ici. À la base, on s'est fait donner ce bureau-là avec un ordinateur, mais l'ordinateur, elle n'a jamais marché. Fait que je trouvais que le bureau, quand même, était super fonctionnel puis super pratique. Fait qu'elle s'installe là pour faire son diamond painting, pour faire ses bricolages, pour faire ses devoirs, pour étudier. Fait que là, c'est ça, c'est son linge que j'ai vu qu'il va falloir qu'elle range. Ça, c'est des boîtes qui viennent de chez Alex que j'ai pas défait encore, mais je sais pas où les mettre. Faut vraiment que je fasse ça, là. C'est des trucs de Project Life, justement, puis de scrapbooking. Ça traîne ici parce que c'est la seule place qu'elle fait. Mais il faut vraiment que je vide ça. Peut-être en fin de semaine, je sais pas. Sinon, en arrière de sa porte, elle a sa bibliothèque avec ses romans, sa malle à linge. On avait acheté ce petit tableau-là chez Winners, mais il s'efface hyper mal. Fait qu'au moins, il est aimanté. Fait qu'elle peut l'utiliser quand même. Fait qu'elle a d'autres livres aussi. Elle a sa télé, c'est mon père, je pense, qui me l'a donnée. Ouais, je pense. Ouais, c'est ça, c'est la télé à mon père. Fait que j'ai fait mettre le décodeur dans sa chambre aussi. Fait qu'elle peut écouter Netflix, elle peut enregistrer ses émissions. Elle est vraiment chanceuse. Ça, c'est un meuble que je m'étais fait donner aussi pour aller dans le salon. La petite table de che... ben, la petite table aussi, elle est dans le salon. Mais je trouvais que ça fitait dans sa chambre pour le moment.
Ça aussi, c'est un bureau qui m'a été donné. Puis vous allez voir, les rideaux dans la maison, c'est du gros n'importe quoi, là. J'ai pris des rideaux qui sont vraiment pas de la bonne taille, mettons. C'est des rideaux que des gens m'ont donné aussi. Mon Dieu, la peau, elle est vraiment accroche. J'ai pas pris le temps encore de mettre les bons rideaux, des fers à couper, mais c'est ça, alors. Regardez, soyez indulgents. Puis ça, c'est Guy, ici. C'est le bêta à Charlie. Guy! 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 Il y a genre un an, c'est pas ça. Ça fait un an que Charlie, là. Il doit être à veille de mourir. Je sais pas, ça dure combien de temps, un poisson, là. Oh, il est réveillé, Guy! Ouais, fait que c'est ça. C'est Nick qui entretient l'aquarium, parce que... C'est ça, moi, je suis pas très bonne. Puis, c'est sa photo de finissante, l'année passée, son diplôme de sixième année, puis c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment la petite chambre à Charlie. J'espère que ça vous donne pas trop mal au cœur. Fait que c'est pas des hyper grandes chambres, mais c'est juste assez grand pour... Elle est très bien. Je vous assure qu'elle est très, très, très bien. Fait qu'on repasse par la cuisine. Je vais vous montrer la chambre à Elliot tout de suite. Elliot, il manque cruellement de rangement. Je vous montrerai pas le garde-robe parce que c'est plein de jeux de société puis de casse-tête. Il me faut vraiment plus de meubles dans sa chambre. Elliot aussi, j'avais acheté une couverte qui fitait vraiment pas dans son lit. Fait que finalement, j'ai décidé de lui acheter une couverte de Mario comme ça. Fait que là, on va pouvoir vraiment faire une thématique Mario. Parce que si vous remarquez, là, par terre, là, il y a plein de Lego Mario partout. Mais quand il les a pas terminés, c'est ça, il les laisse dans des coins différents de sa chambre pour pas mélanger les morceaux. Ça, j'ai acheté ça au Tic Géant. Je l'ai pas monté encore, là, c'était pour mettre ses livres. C'est ça, je vous dis, Nick a fait du ménage dans ses affaires, puis il a retrouvé plein de bonhommes, plein de joueurs de hockey qui a décidé qu'il mettait ça là. J'ai des tablettes aussi qu'il faut que j'installe. En tout cas, il reste beaucoup de choses à faire. Je sais, ça fait un an que je suis ici, mais quand même. Dans le pupitre ici, c'est un pupitre qui m'a été donné. Ce bureau-là, c'est l'ancien locataire qui me l'a laissé. Dans son pupitre, c'est tous ces trucs de bricolage, crayons à colorier. Livres à colorier, toutes ces affaires-là. C'est son diamond painting, là. Il y avait comme 3 semaines qu'il l'a, puis il a fait un coin. D'après moi, c'est moi qui vais le finir. C'est comme plein de Yoshi. C'est pour pouvoir accrocher ici, dans sa chambre. Moi, je lui ai fait celui-là, ici. Faut que je l'encadre. En tout cas. Ouais, il faisait le tri des DVD gravés. Mais ouais, faut que j'encadre ça. J'y avais donné un Mario toutou à sa fête aussi. Fait que c'est ça. La majorité des toutous ici proviennent de la ronde. Puis il y a plein d'autres toutous là, qui viennent de ceux qui avaient déjà là, à la maison. Puis moi, j'en ai acheté d'autres. Elliot, c'est vraiment. Il tripe ses toutous. Là. Il fait dodo tout le temps avec les trois mêmes, mais il transporte là, chez nous puis chez Alex. Fait que là, ici, il y a d'autres petits gugus qui traînent. Ce lit-là, c'est un lit Ikea qu'on m'a donné aussi. J'ai vraiment été chanceuse. C'est mon ancienne voisine qui me disait, hey, j'ai ça chez nous, on l'utilise plus. Fait que c'est moi qui en ai hérité. J'ai fait sacrer mon père rien qu'en masse avec celui-là, mais ça vaut la peine. Ça fait de la place mettre des toutous. Fait que c'est pas mal ça pour la chambre à Elliot, encore une fois, c'est pas décoré. Ça va être peinturé ici. On va accrocher les affiches de Mario. C'est ça, là, il me faut d'autres rangements parce que c'est du n'importe quoi. La télé DVD ici, dans le fond. Alex trouve plus la manette. Fait que là, si elle trouve pas, je vais me débarrasser de ça. Parce qu'il faut comme une manette à DVD, en tout cas. Fait que c'est ça pour la chambre à Elliot. Fait que ma cuisine, elle, ben, elle a l'air de ça. J'ai acheté les électros à l'ancien locataire, sauf la vaisselle. Ça vient du cousin à mon père. Fait que le frigo, il est vraiment dû pour être changé. Le four, il est encore bien correct. Mais le frigo, il est dû. Je le déteste pour mourir. C'est des grilles qu'il y a là-dedans, ça va mal. Justement, il y a le petit papier qui est là, c'est parce qu'on est en train de magasiner ça, puis c'est probablement lui qu'on va aller se chercher, là, peut-être comme après les fêtes, là. Parce que c'est ridicule, ce frigo-là. Il est tout taché, ça part pas, puis c'est pas des tablettes, c'est des grilles. En tout cas, je le déteste pour mourir. Puis juste à côté, on va se mettre un petit congélateur, genre ici, là, juste ici. Le déshumidificateur, je pense que je vais m'en débarrasser parce que je l'utilise comme jamais. Fait que ici, la place à récup, puis juste que les maudites caisses de bière qu'il y a par rapport, je pense que je vais me mettre un petit congélateur là ou sinon, je vais peut-être le mettre ici, à côté du garde-manger.
je sais pas. Fait que c'est ça, je suis quand même chanceuse parce que j'ai un grand îlot, ça va super bien pour cuisiner. Éventuellement, je vais peut-être mettre des poufs, mais finalement, la bouffe des chats, c'est comme... C'est ramassé là, fait que je sais pas si je vais en mettre des petits bancs ou si on va rester comme ça. Mais ouais, fait que j'ai quand même assez de place, là, ça va quand même bien cuisiner, là, je pense que j'ai plus de comptoir que dans mon ancienne maison, puis en plus j'ai un lave-vaisselle, chose que je n'avais pas dans la maison. Fait que je suis bien contente. Et si on continue, on tombe dans la salle à manger. Ça, je vous disais, quand c'était comme des pièces, ça, c'est ça a l'air ouverte, fait que on a vraiment accès à toute la part, ça. Je trouvais ça le fun de pas avoir plein de petites pièces séparées. Fait que ça, c'est le set de cuisine à mes parents. Ils ont changé l'heure, fait qu'ils m'ont donné l'heure. Là, il y a une chaise de pété, puis l'autre chaise est dehors. Là. Faut que je la lave, c'est pour ça. Fait que j'étais vraiment chanceuse. C'est sûr qu'éventuellement, c'est un morceau que je vais changer aussi, mais là, hein, je trouve que ça fait bien la job. Je me suis acheté une petite bibliothèque comme ça, où est-ce que j'ai mis mes livres de cuisine que j'aimais le plus ou les plus beaux, peut-être aussi visuellement. Le reste, c'est tout dans mon garde-robe. Fait que je l'ai acheté au Walmart, la petite bibliothèque. Ma plante, elle mange la claque. Genre, le chat Skippy, là, il la détruit bien vite. C'est l'enfer. Puis, c'est ça, je me suis... Ben, mes parents, en fait, je voulais m'acheter un autre garde-manger parce que celui en coin, là-bas, il est beaucoup trop petit. Puis mes parents m'ont offert de prendre celui-là qu'ils avaient dans leur salle de lavage. Fait que j'étais bien contente parce que, sérieusement, j'en trouvais pas nulle part des comme ça. Puis ceux que je trouvais, c'était un prix de fou. J'étais comme, non, 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 non. Fait que j'étais vraiment contente quand mon père me l'a offert. Il était magané, mais il me l'a réparé. Puis c'est ça. La balayeuse traîne parce qu'on l'a passé tantôt. Ça, c'est les couvertes des chats là, que je mets sur la table. Puis quand je fais du diamond painting, puis ils se couchent là-dessus. Fait que, après ça, on se trouve dans le salon. Là, Nick a mis des rideaux parce qu'il trouvait que ça faisait plus cosy à cause de son petit bord ici que je vais vous montrer. Fait qu'on rentre dans le salon. Ici, j'ai mon bureau, tous mes trucs de bricolage ou... tous mes trucs à moi sont là. C'est ça, ma lumière d'hier est encore là parce que c'est ici que j'ai filmé. C'est mes crayons, mes washi tape, tout ce qu'il y a, tout ce qui est papeterie. Tout est là, là. Fait que... Tout est pas mal à la même place. J'ai rapporté quelques DVD, mais c'est ça, le DVD, il n'est pas branché encore. Ça, c'est Nick qui a amené sa télé. Ça, c'est un meuble que mes parents m'ont donné aussi. Ça, c'est une table que Nick avait, qui est là très, très temporairement, parce que c'est pas ma table préférée. Mais en attendant, elle fait la job. Le set de sofa aussi, c'est des sofas à mes parents. C'est leur kit qu'il y avait dans le sous-sol, mais ils en voulaient plus. Fait que je suis comme, ah, donne-moi ça. Fait qu'il est vraiment confortable. Pour vrai, il fait amplement la job. Puis, by the way, j'ai pas rien peinturé. Mon appart, là, ça a été peinturé par l'ancien locataire. Le bar, ici, c'est le bar à Nick. C'est vraiment son petit coin. Il a fait faire ce bar-là par un gars, là, je sais plus trop c'est quoi son nom. Sur mesure. Fait que c'est tout lui là qui a pensé à ça. Il a envoyé les plans au gars. Puis en arrière, c'est vraiment cool. Là. Il met toutes ses petites affaires. Il a un accro aux casquettes. Fait que c'est figurine. Il a son petit frigo, alcool. En tout cas, tout est là. On voit pas très bien. Là. Mais c'est ça. Il aimerait ça mettre des petites lumières LED là, dans ses tablettes. Mais ouais, non, c'est un beau. C'est une belle pièce. Là. C'était même. Ok, bon, fait que j'ai un chat qui se lave là, j'ai un chat qui dort là. Lui, je sais pas, en tout cas, il doit tellement pas être bien, il y a des crayons en tout de ça, genre c'est comme, je comprends pas, mais pourtant, il a l'air confortable. Bon, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que là, quand on sort du salon, il y a le petit rideau à Nick qui est là, sinon c'est un demi-mur. Puis là, on tombe dans ma salle de bain. Attention, vous allez capoter. C'est pas du rang jaune, c'est affreux, j'aime tellement pas le jaune, j'aime pas ça. Mais c'est ça, là. Le gars était bien fier de me dire qu'il avait peinturé son mur jaune. Sérieux, j'ai ça. Moi, dans le fond, mon but, ça serait de le peinturer soit bleu marin ou quelque chose de même, vu que je suis partie sur une déco qui est assez noire, là. Puis me trouver quelque chose à mettre là. Sinon, je me suis taponné un petit quelque chose, là, parce que c'est ça, j'ai un bain en coin. Puis je trouvais que ça, c'est vraiment perdu comme espace. Fait que là, ça vient tout du dolo. Ouais, ça vient tout du dolo. La petite plante, elle vient-tu du dolo, dit Winners? Du dolo. Je n'achète gros au Winners, puis au dolo, fait que... Mais ça vient tout du dolo.
Ça vient du Winners. Puis là, nos bouteilles sont là parce que mon rack dans la douche a sacré le camp. Fait que sont là en attendant. Fait que c'est ça, la petite serviette. Je laisse tout à mon maquillage traîner là. Ça, et mon Dieu, mon mur. Hein. Puis ça fait les salles de bain. Le petit rack qui vient de chez Kanak. Puis la citrouille. Puis ça vient du Dolo. Puis le reste, ça vient tout du Winners, si je me trompe pas. Juste la plante, là, je suis pas sûre. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Puis ce que je vous disais dans l'autre vidéo, c'est que je suis vraiment chanceuse parce que j'ai une douche puis un bain comme à part. Tu sais, c'est quand même grand parce que sérieusement, les salles de bain que j'ai visitées dans les autres appart, là, c'était minuscule. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que j'ai laveuse sécheuse dans un garde-robe, comme ça. J'ai full de rangement quand même. C'est le bordel, mais j'ai du rangement! Fait que ça, c'est quand même pas négligeable. Puis j'ai un autre garde-robe en arrière là, pour les serviettes. Fait que ça, c'est très cool. Puis après, ben il reste ma chambre. Ma chambre, vous allez voir, OK? Mon lit. Il s'est passé quelque chose avec mon lit. Je sais pas si... Il est beaucoup trop grand. Dans le fond, c'est un lit que j'étais supposée acheter au IKEA. Quand je suis arrivée au IKEA, ben, il n'y en avait plus. Puis j'étais vraiment déçue parce que c'est lui que je voulais. Mon ami me l'a trouvé en ligne, mais on a mal regardé les grandeurs, faut croire. Fait que je me suis retrouvée avec un lit qui était beaucoup trop grand, tu sais, vous voyez. Fait que là, ça a tout le temps resté comme ça. C'est sûr qu'éventuellement, il va falloir que je change de lit. Mais c'est ça, je trouvais ça quand même drôle. Puis quand les gens viennent ici, ben, ça fait parler quand je leur montre. Mais sinon, c'est vivable, c'est juste laid. Là, j'ai un autre trépied là, c'est comme je vous disais, Nick qui a fait du ménage. Ça, c'est d'autres toutous qui viennent de la ronde. Il faut absolument que je les affiche parce que c'est moi, j'ai gagné le paresseux ici, puis le petit toutou blanc là. Fait que c'est bien, je veux les montrer à tout le monde. C'est bien qu'éternel, mais j'étais bien fière de moi. Ma couverte vient de chez Shein, puis les housses de coussin aussi, sauf celui-là. C'est un coussin que ma grand-mère m'a donné puis qui fitait avec mes affaires. C'est le bordel. Mon bureau vient de chez Ikea. C'est le cadeau, c'est la fête à Charlie, fait que ses cadeaux sont emballés. Et ça, c'est une lampe qui m'a été donnée. Genre, c'est super vieux. Souvenez-vous de ces lampes-là? Genre, on touche puis il allume, comme ça. C'est comme vraiment vieux. Mais elle fit avec mes affaires! OK, c'est pas full 2022, mais c'est vraiment cute, je trouve. Fait que je l'ai gardé comme ça. Fait que là, dans le fond, il va falloir que je me jette un autre bureau comme ça, mais tu sais, celui là pour homme, là, en hauteur, que je vais mettre ici à la place du rack qui est tout décrit, ça. Puis ça, c'est mon petit coin motivation avec mon petit poster que je me suis fait là pour essayer de rester motivée. Mon calendrier. Puis je vais me reculer parce que je suis en pyjama, mais je voulais juste vous montrer que j'avais un garde-robe avec des grandes portes miroirs. Donc, c'est ça. C'est ça qui fait le tour de l'appart pas mal. Je vais me virer de bord. Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça. C'est rien d'extravagant, c'est rien d'extraordinaire. Mais je vous jure que j'en ai visité beaucoup des loyers. Puis pour vrai, je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceuse. Très, 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 très chanceuse. En plus, je paye beaucoup moins cher que tout ce que j'ai visité. Probablement parce que je suis comme vraiment... plus proche du centre-ville ou tu sais, quelque chose de même. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Mais, ou parce que j'étais en demi-sous-sol. Peut-être que les gens aiment moins demi-sous-sol. Mais pour vrai, là, au début, je pensais vraiment que ça me dérangerait. Puis finalement, là, j'adore ça. Là, sérieusement, c'est pas dérangeant. Pas en tout. Mon Dieu, je l'adore à mon lit. Fait que ça va être ça qui va conclure la vidéo. J'ai fait le tour. Là, je vais enlever mes petites décos d'Halloween qui vont passer en mode Noël. C'est un peu pour ça aussi que je voulais vous filmer l'appartement avant de décorer pour Noël, vu qu'il y a des choses qui vont changer de place, là, fait que pour faire rentrer le sapin et tout. Et qu'on va se reparler très, 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 très bientôt. Puis, je voulais juste vous dire merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait suite à ma dernière vidéo. J'ai un problème avec mes commentaires, là, fait que... Si jamais vous voulez vraiment me rejoindre, vous voulez me parler, vous pouvez passer par Instagram. Mais sinon, peut-être je vais essayer peut-être que je vais être capable de résoudre ça d'ici ce temps-là. Donc, c'est ça. Faites attention à vous, puis on se parle bientôt. Bye!